Et parlant des études, certains étudiants de l'université Ouagadougou vont pouvoir étudier plus sereinement et dans de meilleures conditions cette année grâce aux bourses que la République populaire de Chine leur octroie. Après l'université Ouagadougou, c'est donc au tour de 20 étudiants de l'université Ouagadougou de recevoir des bourses individuelles de 240 000 francs CFA, aide offerte donc par l'ambassade de Chine au Burkina Faso, l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso. C'est un accompagnement remis en présence de Dilare Sienye et Abdul Rasman Ezongo. Étudier, c'est bien. Étudier dans de meilleures conditions, c'est encore meilleur. Et ce ne sont pas ces meilleurs étudiants burkinabés, au nombre de 20, ici à Limoges, et issus des facultés d'économie et de droit, qui diront le contraire. Ils bénéficient sur la base d'un critère de méritocratie, d'une aide financière individuelle, estimée à 240 000 francs CFA. Cette allocation a simplement pour nom une bourse chinoise. Ces 20 bourses, d'une valeur totale de 4 800 000 de nos francs, ont été offertes par l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir, dans le futur. Non seulement pour les étudiants qui travaillent ici, mais aussi pour l'amitié dans le futur pour nos deux pays. La bourse, ça nous sera d'une très grande aide, en ce sens que ça nous permettra de maximiser nos efforts et réduire les difficultés que nous rencontrons liées au logement, les difficultés liées à la restauration, les difficultés liées au déplacement. La communauté universitaire Ouagadougou et singulièrement le ministre de tutelle avec manifeste une attitude de gratitude. Quand on voit ces efforts qui sont consentis, on ne peut être que satisfait de la collaboration entre nos deux pays et dire que ce geste d'encouragement à l'endroit des étudiants, c'est un geste fort. Le donateur, lui, promet renouveler sa générosité, son geste financier, voire intégrer d'autres projets afin toujours de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et d'études au niveau de l'enseignement supérieur.